Jamagaram, nom ancien de Zinder, est situé à l'est du Niger, sur une ancienne route commerciale de caravanes transsahariennes. Elle présente un riche patrimoine d'histoire, de traditions, d'architecture et d'objets. Dans le domaine du bâti, on doit rappeler les deux anciens quartiers. Le vieux quartier de Birni, habité au départ par les Haoussa, et le nouveau quartier de Zangou, à l'origine habité par les Touaregs. Ces deux ensembles sont constitués de très belles constructions traditionnelles en banco qui révèlent les trésors de l'architecture Haoussa. Les maisons Haoussa se distinguent par leur construction en terre crue, avec les décorations de leurs façades peintes en bas-relief et les typiques ornements qui se profilent sur les parties supérieures de la maison. Le désordre de celle-ci, à l'intérieur de la ville, avait une raison défensive. L'étranger se perdait facilement. Une telle conception défensive existait aussi dans les villes européennes du Moyen-Âge et se retrouve en différentes parties du continent africain. Le quartier Birni, construit autour d'énormes massifs granitiques, caractérise son importance historique autour du sultanat de la région du Damagaram. En effet, l'origine du sultanat se situe aux environs de 1736 et les lieux de résidence des sultans changèrent jusqu'en 1812. Ce n'est qu'à cette date que son siège fut installé par le sultan Suleyman Dan Tanimoun à Zinder, et plus précisément à Birni. Le palais aurait été construit entre 1850 et 1852. Situé au cœur de Birni, il est la propriété du sultanat. Il représente donc le pouvoir coutumier. Chaque sultan est en quelque sorte le gardien du palais. Il a l'obligation d'y résider et de l'entretenir. Juste à côté du palais, la mosquée du Vendredi. Mosquée soudanaise de type tombouctien, sa construction présente un plan globalement carré et un aspect extérieur relativement massif. Oui, le marché, c'est tout un mythe. Parce que pour implanter un marché, il faut beaucoup de cérémonies. Il y a tous les pouvoirs qui interviennent. Il y a les charlatans qui interviennent, les marabouts qui interviennent, les magiciens qui interviennent. Chacun vient mettre son socle pour faire en sorte que c'est magique. Dès qu'on dit que c'est implanté, après ces cérémonies, les gens affluent. Mais par contre, par exemple, avec le modernisme qui arrive, le marché que vous venez, que vous avez vu le jeudi, c'est un marché qui datait, il est vrai, de longtemps, mais avant que ça ne soit aussi attrayant pour attirer le monde, il a fallu une certaine manière pas beaucoup appréciée après, par après, parce que cette manière, c'est d'amener les gens de force. C'est pour ça que le marché a pris le nom de Dolé, obligatoire. En fin de journée, les commerçants et les artisans quittent le marché pour rejoindre leur village. Tous les moyens de locomotion sont bons, à pied, en vélo, à mobylette, en charrette tractée par des ânes ou des zébus, sur des dromadaires. Dans la brousse, il y a beaucoup de massifs granitiques avec peu de végétation. La nature commence à se dessécher. Du foin est mis à sécher sur les rochers, à l'abri des troupeaux. Des enfants ramassent les rares baies qui s'y trouvent pendant que leur père rentre sa récolte dans les greniers.
L'agriculture s'organise autour des mares, grandes cuvettes qui se remplissent d'eau pendant la saison des pluies. Cela permet la culture du mil, du maïs et une production maraîchère importante. Tomates, oignons, salades,